Un an et demi pour les Fariots, 26 mois pour les Arcs-en-Ciel, impatiente ce mercredi matin au port d'Épinal d'être relâchée dans quelques instants dans la Moselle par les membres de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique d'Épinal et environ. En vue de l'ouverture de la pêche à la truite ce samedi, et parole de ce pisciculteur venu les livrer, elles sont toutes affamées. C'est une obligation pour le transport qu'elles soient à jeun. Et du coup, ben, mise à jeun, mise dans les rivières, elles vont se nourrir naturellement de ce qu'elles vont trouver jusqu'à l'ouverture. Et puis à l'ouverture, ben, peut-être qu'elles vont croiser un hameçon, quoi, simplement. Quoi. Ou un cormoran. Ou un cormoran, oui. Cormoran, héron, aigrette. Il y a de quoi faire, effectivement, avec la prédation qu'on voit en ce moment sur tout le département. Ils sont nombreux, puis ils sont tranquilles, hein, puisque vous savez qu'ils ne sont plus trop pour chasser. Donc ils se sont multipliés aussi. Et puis voilà, bah, donc on fait un empoisonnement tardif à cause de ça, parce qu'il y a des endroits, c'est un pillage en règle, c'est normal, on remplit le frigo, donc il n'y a plus qu'à se servir. Hein. Donc après, de l'autre côté, les pêcheurs, bah, ils font la tête. Quoi. Donc voilà, on essaye. On a mis combien là, l'euro total? Ah bah, je crois que ça fera un peu plus d'une tonne d'œufs hein, sur le truc, alors ils ne vont pas se plaindre. Hein, parce que... Bon, faut qu'on les attrape maintenant. Ah bah ça sera plus dur, hein. On verra ça samedi. Ouais, ok. Plus d'une tonne de truites, moitié fariot, moitié arc-en-ciel, donc relâchées d'ici samedi dans la Moselle, côté Taon, Chavelot et Igné, et en amont du côté du complexe sportif de Sauba, la Vière, le Saint-Auger à Desvillers et le ruisseau des sept pêcheurs à Girancourt en profiteront également, de quoi satisfaire les cannes des quelques 1500 membres actifs de l'association, sans compter les jeunes. Dans les Vosges, on compte un peu plus de 10 000 pêcheurs, c'est mieux qu'il y a encore quelques années. Ça a fortement chuté ces 30-40 dernières années, ça, les effectifs. Et je dirais, depuis le Covid, il y a une sorte de, on va dire, de reprise. On en est l'année dernière, je crois que c'est 2 ou 3% sur le plan national. Donc il y a un intérêt parce que les gens aspirent à être dehors, en libéré. C'est quelque chose, c'est vrai, de compliqué quand on ne connaît pas, mais avec pas grand-chose, on peut aller à la pêche. Une nouvelle opération de rempoissonnement sera organisée début avril. 5 à 600 kilos seront cette fois relâchés. L'ouverture de la pêche à la truite, faut-il vraiment encore le rappeler? C'est ce samedi, une demi-heure avant le lever du soleil.